The time on our studio's clock is 8 p.m. and it's news hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, July 25, 2023. The current heavy downpour and non-compliance with construction standards has been the major causes of recent buildings collapsing in Douala and Goundere. Alan Philip Owono, a civil engineering design engineer, shall shine more light on these causes. Plus, Pauline Irengene has chaired this day in Yaoundé the 11th session of the Intersectoral Committee for Monitoring Programs and Projects Involving Vulnerable Indigenous Populations in Cameroon and some implementations and strategies on how to go about this project have been evaluated in the course of this session. The stories in full and much more will be yours right ahead. Always a pleasure being in your company on the 8 p.m. Balingua Primetime Newscast on Spectrum Television. And we'll kickstart right away, and it's with Oriane Donkang. Good evening, Oriane. Bonsoir, Christelle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Quatre personnes décédées, c'est le bilan enregistré après l'effondrement d'un immeuble ce matin dans la ville de Ngaoundéré, dans la Damawa. Les victimes, une dame et ses trois enfants, vivaient dans une maison en contrebas du dit immeuble. Léla Renganzo. Tout était pourtant prêt pour venir en aide aux rescapés qu'on espérait sortis vivants des décombres. Malheureusement, après plusieurs heures de fouilles, ce sont quatre corps sans vie qui seront extirpés de là. Une femme et ses trois enfants. Selon des voisins, les victimes vivaient dans une maison en contrebas de l'immeuble de 4 niveaux qui, encore en construction, s'est effondré ce matin. Le drame s'est produit au quartier Baladi 1, dans la ville de Ngaoundéré, région de l'Adamawa. Présent pendant tout le temps qu'ont duré les fouilles, Kildadi Takegi Boukar, le gouverneur de la région de l'Adamawa, s'est insurgé contre la qualité des travaux de construction menés pour cet immeuble érigé sur un flanc. Alors, il faut tout de suite dire que les travaux entrepris pour élever cet édifice n'ont pas été appropriés. Parce que déjà, la bâtisse est sur un flanc, une monticule. Il était probable que cette maison, ce bâtiment, on rappelle, cet effondrement intervient quelques heures seulement après un drame similaire survenu il y a quelques jours au lieu-dit mobile Guinness à Douala. Le dernier communiqué du gouverneur de la région du littoral, signé à cet effet le 24 juillet, parle de 37 morts pour 21 blessés. La forte pluviométrie et le non-respect des normes en matière de construction sont les causes majeures des effondrements d'immeubles récents à Douala et à Ngaoundéré. Ces arguments sont développés par Alain-Philippe Owono, un ingénieur de conception de génie civil. Il a été rencontré pour nous par Inès Pangan et Frédéric Fom. Leur reportage. Le contexte climatique actuel fait partie des éléments qui peuvent expliquer les effondrements d'immeubles récents à Douala et à Ngaoundéré. Les fortes pluies tombées et la stagnation par la suite de l'eau contribuent grandement à la fragilisation des bâtisses. Pour les constructeurs, il serait important de faire un assainissement des eaux pluviales. Cela rentre également dans la technique de mise en œuvre. Ça rentre principalement dans les techniques de mise en œuvre. Faire un bon assainissement des ouvrages, c'est-à-dire quoi? Évacuer les eaux de pluie, n'est-ce pas, pour qu'elles ne puissent pas rester aux abords de l'ouvrage. Ça, c'est d'un. Et en plus de ces eaux de pluie, hein, il y a des eaux, n'est-ce pas, qui peuvent revenir du sol, qui peuvent provenir de l'intérieur du sol.
n'est-ce pas, et causer également des catastrophes. Donc il faudrait se rassurer que l'assainissement global au niveau, n'est-ce pas, de l'eau qui pourrait attaquer l'ouvrage puisse être parfaitement, n'est-ce pas, établi afin de mettre ce qu'on fait, ce qu'on définit généralement la mise hors d'eau du bâtiment. La qualité du sol doit également être prise en compte dans la recherche des causes des événements tragiques de ce 23 juillet dans la région du littoral et de ce 25 juillet dans la région de l'Adamawa. La construction d'une infrastructure immobilière doit tenir compte de la capacité de soutien du sol. Dans la ville de Douala, nous savons que le sol est pratiquement engorgé d'eau, Douala étant une ville en dessous du niveau de la mer. Donc il faudrait utiliser les techniques appropriées pour pouvoir consolider le sol. Néanmoins, tous les constructeurs devraient, n'est-ce pas, se rassurer d'avoir une étude géotechnique de leur sol pour connaître la contrainte. C'est un élément primordial. Entre aussi en jeu la qualité des matériaux et la technique de mise en œuvre dans un chantier de construction d'un édifice. Le respect des normes de construction en la matière peut faire en sorte qu'un bâtiment dure près de 100 ans et éviter par conséquent des catastrophes comme ceux de Douala où une trentaine de personnes sont décédées et de Ngaoundéré qui a tué une mère et ses 3 enfants. Et s'agissant donc de l'effondrement de cet immeuble survenu dans la nuit du 22 au 23 juillet 2023 ici à Douala, le bilan ce soir à 19h30 fait état de 60 victimes, dont 39 décédés et 21 blessés. Parlons à présent de la prévention de ces catastrophes qui ont ôté la vie à une trentaine de personnes ici à Douala et 4 individus en Ngaoundéré. Elle doit intégrer le respect des règles en matière de construction et de maintenance régulière des immeubles. Flore Morel-Voufo est ingénieure des travaux de génie civil. Elle s'exprime à ce propos au micro de Frédéric Nforme. Oui, donc lorsqu'on constate qu'un bâtiment est déjà en voie de se ruiner, les attitudes qu'on doit adopter sont principalement d'évacuer les habitants. Principalement. Pourquoi ? Parce qu'on peut procéder à une rénovation en fait. Donc la rénovation sera sur la base du renforcement, principalement le renforcement des poteaux. Les poteaux qui sont comme les piliers de soutènement du bâtiment. C'est un peu comme un corps. Les personnes qui ont une masse corporelle très grande, parfois leurs os n'arrivent plus à soutenir leur corps. Ce sont des signes de fatigue. Donc c'est la même chose pour le cas de bâtiment. Lorsque on constate qu'il y a affaissement, ça veut dire que les poteaux, les fondations, la structure porteuse ne peut plus soutenir le poids du bâtiment. Et donc il faut procéder à une rénovation, renforcement des poteaux. On peut aussi procéder à une reprise en soudure, c'est-à-dire renforcement des semelles qui porte toute la structure. Il faut réaliser des études de sol qui coûtent souvent cher, mais négligées par beaucoup d'entrepreneurs. C'est important et ça coûte cher, mais beaucoup négligent, surtout dans la zone de Douala où le sol est très sableux et très frileux. Donc il faut se rassurer que la capacité portante du sol est adaptée au bâtiment que ça va recevoir. Donc est-ce que le sol est assez fort pour recevoir le bâtiment qu'on souhaite construire? Si le sol peut recevoir seulement un bâtiment de 5 niveaux, mais qu'on insiste pour faire un bâtiment de 7 niveaux, à la longue, le sol va céder, va rompre, parce que la force de cohésion va lâcher. Et quand le sol rompt, le bâtiment fait comment ? Ça s'effondre. Donc, on peut prévenir cela en faisant les études de sol. De deux, il faut faire un bon dosage. Le dosage, c'est quoi ? Pour une personne profane, on va dire la quantité de ciment, on va dire ça comme ça par mètre cube. Au lieu, si par mètre cube, il faut mettre 7 sacs de ciment et qu'on met plutôt 5, on voit déjà que ça fragilise parce que le ciment, c'est le liant qui permet de bien consolider, qui donne une compacité assez importante à la structure porteuse. Donc lorsque le liant n'est pas en quantité suffisante, la structure porteuse n'est pas assez compacte. Donc, elle est prête à se rompre, elle est prête à être affaiblie à tout moment. Troisièmement, ce qu'on peut faire aussi, c'est de procéder à l'entretien régulier des bâtiments. Si on constate qu'il y a un endroit qui suinte, si on constate qu'il y a l'eau qui stagne, alors il faut rapidement procéder et remédier à cette pathologie. Something else, the Douala Port Authority and its partners
Fishing Development Plan have brainstormed on how to construct an ultra-modern pond in order to reverse the importation of fishes as well as promote the consumption of local produce. Josephine Binzi and Julie Poe report. The Douala Port Authority has embarked on a local development plan aimed at reversing the importation of fishes to prioritize the local consumer and market. Several steps have been adopted to give the fish preservation sector a new facelift. Exceptional way to make things move in this country. So this is our response to the modernization of all the equipment, the production equipment and the storage equipment that we have in this country. You know, for such a long time we've been having a port, a harbor, who does not have a cold storage capacity. And for now on, this is going to change. And especially because you are going to produce a lot of fish locally, I really think that this will alleviate the dependency that we have from importations. In the presence of several authorities of the Port Authority and the Director General, the fish storage plan was presented and its vantage purpose to the economy of Cameroon. Other port facilities are equally not left out. Modernize our fishing terminal is one of our prior projects according to our development master plan. This project aims to improve our port facilities concerning the fishing terminal. This project aims to contribute to sustain the government policy in terms of security and safety of food. Food security is one of the crises Africa is dealing with in general and Cameroon in particular. The intention of this project is to solicit ambassadors of goodwill to partner with the Port Authority in building an ultra-modern fishing pond to assist the government of Cameroon. Production locale du poisson, chaîne de froid maîtrisée par des installations modernes et productives. La convention entre DPFT, entendez Douala Port Fishing Terminal et le PAD, vise à renforcer la compétitivité et l'attractivité du port. Je vous propose à présent d'écouter Moro Zambo, le DG de DPFT, est au micro de STV. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que là, le port autonome va se doter d'une infrastructure vraiment dernier cri qui va nous mettre à l'abri de certains aléas. Nous devons produire du poisson, nous devons le conserver, nous devons avoir une chaîne de froid maîtrisée, nous devons avoir des installations modernes qui soient productives pour remplir les objectifs de compétitivité et d'attractivité de notre port. Donc c'est de ça qu'il est question. Voilà. Moi, les ressources halieutiques, nous allons les produire. C'est ce qu'on appelle la mariculture, c'est-à-dire, entre autres choses, en dehors du fait que, oui, vous savez, les eaux poissonneuses du Golfe de Guinée et de notre zone économique exclusive en particulier sont très particulières. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons adressé la question sur plusieurs angles. Parlons à présent de sommet économique et humanitaire Russie-Afrique, la rencontre qui se tiendra à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet 2023. À cet effet, donc, à l'invitation du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, son Excellence Paul Biya, le président de la République du Cameroun, quittera Yaoundé demain mercredi 26 juillet 2023 pour y prendre part. Où en est-on avec la prise en charge des peuples autochtones au Cameroun? Pauline Irène Nguéné a présidé ce jour à Yaoundé la 11e session du comité intersectoriel de suivi des programmes et projets impliquant les populations autochtones vulnérables au Cameroun. Réunion au cours de laquelle la mise en œuvre de la stratégie a été évaluée. Compte rendu Olivier Bouzic. Cette année, l'inclusion sociale des jeunes des peuples autochtones est davantage au centre des débats. Plusieurs ont des difficultés à s'intégrer, notamment sur le plan socio-professionnel, tel que relevé au cours de cette 11e session du comité intersectoriel de suivi des programmes et projets impliquant les populations autochtones vulnérables au Cameroun.
Il y a beaucoup de choses que les gens font et il y a beaucoup d'obstacles. Ce que je dis aux jeunes, il faut prendre ces obstacles en les transformant en escalier pour grimper, parce que si beaucoup de 80% des jeunes se découragent avant de se lancer dans l'emploi, dans tout ça, la vie est compliquée, mais ce que je dis, il faut croire. Pourtant, les nombreux plaidoyers des leaders de ces peuples vulnérables portent progressivement des fruits. Le dernier concours de la police qu'on a lancé, on a eu 15 policiers, Mbororo. Il y a aussi une fille, c'est du nouveau chez nous. On a investi un candidat Mboro au sénatorial dans la région de l'Ouest qui est sorti. Et après la nomination, le chef de l'État a nommé deux sénateurs suppléants, tels que l'ancien président de Mbouskouda et le maire de la commune d'Engaoui, qui est en même temps le seul maire parmi les maires du Cameroun, les 360 maires qui comptent. Cependant, beaucoup reste à faire pour assurer leur plein épanouissement, reconnaît le gouvernement. Pour ce faire, la stratégie repose sur le triptyque participation à la vie sociale, à la politique et au développement durable. Cette composante touche essentiellement à l'état civil, notamment par l'établissement des actes d'essence et à la délivrance des cartes nationales d'identité. Sur ce chapitre, la mise en place de dispositifs permanents serait de nature à pallier à ce manquement. Il faut noter que cette session sert de rampe de lancement des activités de la 15e édition de la Journée internationale des peuples autochtones au Cameroun. Plying the Douala-Bangui-Djamena corridor has become a veritable nightmare for the truck drivers due to the numerous checkpoints which have multiplied over time, causing them to spend more than they previously used to. Josephine Binzi tells us more. A return trip between Douala, the economic capital of Cameroon, and Bangui, the capital of Central African Republic, cost an average of 64,000 francs for truckers serving this corridor to pass road checks, compared to the maximum of 225,000 francs. According to figures revealed by the Observatory Plan of Abnormal Practices on the main corridors of Central Africa financed by the European Union, these expenses are only 22,900 francs on the average of the Douala-N'Djamena corridor, which opens on the capital of Chad, against a maximum of 126,000 CFA francs. Based on this data, the OPA concludes that controls on the Douala-Bangui corridor remain more expensive than the Douala-N'Djamena sector, although the route is shorter. Better still, this body, funded by the EU to help streamline transport on the corridors in Central Africa, points out that the controls there cost an average nearly 3 or 4 times more expensive than those of the Douala-N'Djamena corridor. Although the survey specifies that on the Douala-Bangui corridor, the expenses incurred by truckers at checkpoints are related to illegal fees, the convoy fees of trucks, the army, due to the security of the Central African Republic, or custom fees due to additional goods transported by truckers outside the goods declared in transit transporters, these payments are mostly illegal. It is clear that on the basis of this figure, the Douala-N'Djamena corridor and the Republic of Chad installs a police, gendarmerie, or custom checkpoints at every 147.5 kilometers, whereas Cameroon has one on every 18 kilometers. At all times, the proliferation of checkpoints on these corridors in Central Africa, which constitutes a break on intra-communal trade, has always been decried. But it has so far never been observed, despite the existence of institutional measures that were just waiting to be implemented. This is a case of the regional transit program adopted since 2006 by the CEMAC countries. This program, of which the OPA is one of the emanations, will officially learn aims to enforce the number of checkpoints at 5 checkpoints on the Douala-N'Djamena corridor against 3 on the Douala-Bangui. L'information à l'international, c'est dans le Roundup Afrique avec la Voix de l'Amérique. En Tunisie, plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce mardi dans la capitale Tunis. Elles réclamaient notamment la libération de plus de 20 opposants et personnalités emprisonnées depuis février. Au Kenya, l'opposant Raila Odinga a dénoncé mardi une violence policière sans précédent lors des manifestations contre le gouvernement et la vie chère qui se tiennent ces derniers mois dans le pays. Accusant l'opposition d'inciter à la violence, le président William Ruto
avait affirmé mercredi son soutien à la police. Au Burkina Faso, l'utilisation du vaccin antipaludique R21 Matrix M a été autorisée pour les enfants âgés de 5 à 36 mois. Le Burkina, où le paludisme est la première cause de mortalité infantile, devient le troisième pays d'Afrique à mettre ce vaccin sur le marché. En Algérie, les pompiers étaient toujours à pied d'œuvre ce mardi pour venir à bout de violents incendies qui ont frappé le nord et l'est du pays et causé au moins 34 morts depuis dimanche. Sur 97 incendies déclarés, il n'en reste que 15 selon un porte-parole de la protection civile. Présent du lancement de la troisième édition du tournoi de l'amitié du peuple Banwa, c'est dans la région de l'Ouest. L'événement a plusieurs objectifs, entre autres renforcer le vivre ensemble, encadrer les jeunes, développer les compétences agropastorales, mais aussi servir d'appui aux autorités administratives. Léla Renganze et Landriousa. Le développement dans tous les domaines viendra d'abord. C'est une action à mettre à l'actif de Maître Wansi Kameni Armand, président de session RDPC Onkam Sud et Centre. Rendu à sa troisième édition, le tournoi de l'amitié du peuple Banwa poursuit son bonhomme de chemin en ajoutant chaque année une nouvelle corde à son arc. Parti d'une première édition avec pour unique contenu un championnat de football masculin, la deuxième édition a ajouté à ça des cours de vacances et des cours de secourisme. Et à ses précédentes activités, la troisième consacrera également une remise de dons aux différents comités de développement des villages et à l'organisation des conducteurs de moto-taxi. Maître Wansi Kameni Armand est l'homme derrière le projet. C'est pas moi de l'obscurité entretenir les enfants, les jeunes, pendant les vacances. Donc, je préfère les vacances utiles à Banwa. Permettre aux jeunes Banwa de ne pas s'évader, de ne pas consommer l'alcool, de ne pas prendre les drogues, d'être utile, c'est-à-dire d'être occupé pendant les vacances. Et ces motivations, vous les connaissez également à travers le sport. Vous savez, le rôle du sport dans la vie des jeunes. Et puis, il y a aussi l'éducation. L'éducation que nous par la promotion, l'éducation des plus jeunes dans tout l'arrondissement de Banwa. Voilà donc les motivations premières. La deuxième motivation, c'est que nous vivons avec les populations venues des zones sinistrées, telles que le nord ou le sud-ouest. Et nous avons pour cela besoin de former nos populations au vivre ensemble, celles-là qui ont été surprises par l'arrivée d'un flux de population externe. Donc, nous les formons, à travers les conférences au vivre ensemble et au discours haineux. Ils doivent savoir que tout Camerounais est chez lui, où qu'il vienne, toute personne qui se trouve dans la région de Banwa est chez elle. Présente à l'esplanade de la place des fêtes de Banwa pour la cérémonie consacrée au lancement de ce tournoi, le sous-préfet appellera à la multiplication de telles initiatives, avec une jeunesse exprimant sa gratitude. Un événement qui vient regrouper ainsi des enfants de tous les villages, ceux qui prennent ainsi le vivre ensemble. Nous lui demandons de multiplier ses efforts dans tous les sens, dans tous les domaines de l'arrondissement. Et quant aux autres élites, nous leur demandons de presser le pas afin d'appuyer les actions que mène l'élite actuelle, parce qu'il est seul à mener cette action-là dans l'arrondissement. Avec plusieurs droits, je crois qu'on pourra aider l'arrondissement. Nous remercions M. Maître Wansi pour la gloire qu'il donne à notre village. Nous ne cesserons jamais de le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Et nous pensons qu'avec lui, nous devons aller de l'avant. Merci. Notons que Banwa est une commune du Cameroun située dans la région de l'Ouest, département du Onkam. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée Christelle Assek. Bonne soirée à toi Oriane. Good night televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for fresh news on your TV, STV.